Alo fami bel moun, bon salutasyon pou nou tout. Nou deja konen depi se format sa, se yon vlog. E map tou anonsen nou, pa de tout peryote sa, yo map plus fe vlog, paske mgon ti problem, mbon kon gen lokal kote pou mwen registre video yo. Dok di kou se plus nan aktivite mwen patisipe, mwen ap plus menen nou asem avek mwen. Nou samdi, mba se jè dat la, mba se jè konvye jè di a e, men li 2h30 la, e mwen nan lokal. Negas Naoum, ki fe yon organizasyon feminist, yo a fete aniversèr jodi ya, e mkwè se 5e aniversèr, yo fe yon aktivite an grand pomp, gen yon ekspozisyon, ou fete ete komanse depi 10h, ya fini an 4h, men mparet bo de 0. Sa le di, ma fè nou vive ekspozisyon an, e pi map di nou, map montre nou kek ba yon alek ti ya, e pi wè, mè sfere video a fè nou plesi. Rete yon seman avèk mè. Nos pères sont venus ici pour chercher la vie. Ils n'ont trouvé que le temps qui passe, les rêves qui s'érodent. Ils n'ont trouvé que le silence, le froid, la précarité, la survie. Alors ils se sont retranchés en eux-mêmes, peut-être même en dehors d'eux-mêmes. En un lieu préservé de l'amertume, un espace où tout est tranquille, parce qu'on ne désire rien, justement. Ils sont seuls. Là où ils sont, dans cet abri qu'ils se sont forgés, ils sont seuls. Leurs yeux glissent sur nous. Il ne faut pas les déranger, hein. Faire du bruit, vouloir jouer. Ils ne savent pas jouer, nos pères. Nos pères n'ont même pas su être les hommes de nos mères. Souvent, ça s'est passé quand nous allions naître. Ils voulaient les enfants. Mais bien sûr, c'est eux qui voulaient les enfants de ces femmes pour les ferrer, s'assurer qu'elles leur appartiennent pour toujours. Ils les ont choisies parce qu'elles étaient différentes, libres,
ils les ont quittées parce qu'elles étaient différentes, libres. Ils sont partis quand elles ont commencé à gonfler. Nos pères sont fous de rage. Ils ne savent pas parler, expliquer, faire qu'on se rejoigne, qu'on se dise l'amour, même maladroitement. La rage de nos pères s'abat sur nous. Nous sommes tous ce qu'il leur reste. Nous sommes pas tout le temps. Tu ne peux pas laisser croire que tu t'en fais aimant, voyons. Une fille bien ne pleure pas sans raison. Les larmes de la femme sont précieuses. Tous les fluides de la femme sont précieux. Ne les laisse pas couler pour rien. Ne fais jamais l'éloge d'un homme, même si tu l'aimes. Et surtout, si tu l'aimes, il s'empressera de te trahir. Une fille bien écoute sans trop parler. Les enfants qui sortent du ventre de la femme sont ceux du mari, même s'il ne les a pas fait seuls. La première chose à faire dans une maison, c'est de connaître les directions. Quand on s'installe dans une maison, il faut savoir ça pour prier quand même, t'es une femme. Les prières de tous les jours se font vers l'est. Tu t'agenouilles en signe d'humilité, tu fais brûler ce qu'il faut, tu appelles notre mère, toujours la mère en cas de coup de Dieu, ok? Apprends par cœur les sons 5, 9, 23, 35, 91, 121 et 140. Ce sont des armes, des boucliers. Couvre-toi la tête, femme, quand tu te rends au culte. Fais ta toilette intime avec ta main gauche. Uniquement la main gauche. Dans une maison, le repas doit être prêt à une certaine heure, tous les jours. Tu dois le savoir, non? Prépare toujours assez à manger pour une bouche supplémentaire. Tu ne sais jamais, quelqu'un peut venir. Si on t'apporte quelque chose dans un plat ou dans une marmite, ne le rend pas le récipient vide. Ne mange pas trop le soir. Ne te couche pas le ventre plein. Il faut toujours avoir un peu faim. T'es une femme quand même. Ne mange pas trop de sucreries. La vie n'est pas toujours sucrée. Tu dois le savoir aussi. Dans ta maison, mange pieds nus. Les pieds de la femme doivent toucher la terre. Ils doivent être forts pour te porter. Si tu as une employée, viens, veille à ce que tu puisses exécuter toutes les tâches que tu lui demandes. Une femme ne vient pas travailler chez toi pour faire ce que tu ne sais pas faire. Tu dois savoir faire tout ce qu'elle peut faire elle-même. Sinon, elle va te commander. Elle ne va pas te respecter. Tes enfants doivent connaître le goût de ta cuisine. Ok? Donc, trouve toujours le temps de cuisiner pour eux. Même si tu as une employée. Mon père voulait un garçon. Ironie du sort, il m'a eu moi. Si cela ne tenait qu'à lui, il me ferait pousser un zizi pile au milieu du front. Car. Fumez dans l'espace jusqu'à ce que les femmes comprennent que le compassion de l'enjeu. Entassons-les les unes sur les autres jusqu'à ce qu'elles ne respirent que leur débat en commun. Faut pas qu'elles sachent qu'il existe autre chose. Autre chose que ce précipice couvert de paysages idiomates que nous leur voulons. Nous devons déverser la casserole. Pas. Il ne peut y avoir qu'une acte de sorte masculin et noir. La politique. Elle finit où on peut se découvrir intelligente, inébranlable. On ne pourra plus les tenir par la gorge, bon sang. Buvons, messieurs. Allez, messieurs. Buvons. Buvons assez pour que nos actions frisent l'imbécilité. À l'épice suprême, pour qu'elle nous pardonne et nous reprenne à chaque heure au beurre noir. Faisons du bruit. Beaucoup de bruit. Autour d'elle. En elle. Que dans leur tête, il n'existe que notre voix qui enseigne de l'obéissance à leurs neurones. Empêchons-les de parler de sujets constructifs. Le sens de leur vie doit tourner qu'autour du shopping, du commérage et des maquillages.
leur avenir. Ah non. Ça ne compte pas. La seule chose qui en vaut la peine, c'est notre présent à nous. Ah, après, traitons-le de superficiel. Donc, inapte à prononcer un mot intelligible dans l'assemblée prestigieuse des humains. Puis, sur quelques-unes, quelquefois, de temps à autre, pour leur enseigner la peur de dire, de s'opposer, de s'imposer, de s'identifier, d'exister. C'est ma promesse. Enfant créole qui vit en moi, tu naîtras libre et rebelle ou tu ne naîtras pas. C'était un texte de Vin Foulot dans Rosalie. I'm gonna get you.
Moi ap deplase, m nan la re depi gran matin, depi asize paske m dabal nan kou. Bon bref, sa se de detay. Bon, m ba nou pati m jwenn nan aktivite a, m espere nou te apren, e nou te amuse nou tout, nan sa mwen pataje ansanm avèk nou. E se mwen ka ba yon ti detay an plis sou sa mwen konnen, sa m pa fè aucun research. Gladina Gas Maron, se yon organizasyon feminist. Yo accompagner mesdames qui sont victimes de violence, toute qualité de violence, et puis yo kon animer des séries de séminaires tout, et puis gen yo qui c'est des figures publiques comme si personnalité publique qui animer des rubriques sur internet là qui apprend mesdames yo sous plusieurs bagages qui ouverge yo sous quelques sujets et puis qui oui, j'aime dire non, oui, j'ai aussi quelques sujets et puis faire connaître ce monde même chez tout le monde, tout ambition, tout rêve, yo depuis yo gen moyen, depuis yo gen capacité, yo capable atteindre objectif yo. On y a là moi ensemble avec quelques camarades qui dans l'école de théâtre là. Li c'est Dave, li c'est Reina, li c'est Diavela. Li se Alix, li se Sofia, li se Proposa Petit et tout Emma. Et puis yes, ça va être la caméra. M'espérez vidéo ça te fait nous plaisir. Et puis nous continuons à la déjà. Pas hésiter, like, commenter, partager et puis abonner. Ciao!